Salut tout le monde, j'espère que ça va. Cette fois-ci, on se retrouve pour une vidéo sur Hogwarts Legacy. Donc, on va passer sur le fait que le jeu est sublime et que ça a été un carton monumental, etc., etc., etc. Je suis pas là pour ça. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, comment se faire masse de thunes illimitée et assez rapidement. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? On va tout simplement aller chercher des créatures. Attention, ah, jeune petit samouraï qui regarde la vidéo. Il faut deux prérequis. Il faut être minimum niveau 15 et avoir fini la mission principale du home. Voilà. Une fois que vous avez fait ces deux-là, Cheese, je sais pas si je dis bien, va vous donner une quête pour avoir un sac de capture. Notre objectif va être tout simplement d'aller capturer les créatures et les revendre après au lard. Donc, pour ce faire, vous avez votre map. Donc, j'ai pas tout découvert. Vous zoomez un coup parce que sinon ça marche pas. Et toutes les sortes de pattes d'ours, bah en fait c'est des créatures. Voilà, donc ici on a les boursouf, là on a des licornes, là les jobarbiles, etc. 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 Faut savoir quand même que sur chaque espèce vous en avez une, entre parenthèses, shinies. Donc une chroma, donc à côté de son nom il y a une petite étoile. Ils sont beaucoup 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 moins rares que les Shinies, donc vous inquiétez pas, vous y allez une ou deux fois et vous allez le drop le truc, y a aucun problème. Il y a quelques petits trucs à penser, surtout pour eux. Les veaux de lune en fait apparaissent que la nuit, donc pensez bien à attendre. Et bah, tout simplement, je vais aller vous montrer ça tout de suite. Faut savoir un truc très important quand même pour le farm. Donc qu'est-ce que ça veut dire farm? Le farm, ça veut dire que faire un truc assez redondant mais pas compliqué et qui au rapport qualité le temps passé comparé à l'argent gagné est worse. Donc là pour ça va être bon. Je vous déconseille d'aller farmer les gros trucs, genre les licornes et tout, parce qu'il n'y en a qu'une qui spawn, etc. Et qu'on farme des licornes ou des petits piafs, en fait ça rapporte 120 gold. Donc autant pas se faire chier à aller farmer des licornes, hein, clairement. Parce que je sais pas, bah, si vous l'avez déjà fait, vous avez vu qu'il y a plusieurs niveaux pour capturer. Donc les licornes, je crois qu'il faut 7 fois. Et là, ce qu'on va aller chercher, il faut une fois. Donc clairement, voilà, clairement, il n'y a pas photo. On va aller chercher ça. Alors, on est la nuit. J'espère qu'ils apparaissent quand même la nuit. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Ah, on arrive au truc. Hop. Alors, est-ce que ça spawn? Voilà. Donc ici, vous prenez votre petit sac, vous arrivez et vous capturez. Alors, au fur et à mesure, au début vous allez avoir 20 emplacements, Calme-toi. après vous allez en avoir Je ne 30, te et veux puis aucun après mal. potentiellement je Réveillons. pense 40, j'en suis pas encore au 40. C'est pour ça que je dis potentiellement, ça se trouve ça va être un truc de fou. S'il vous faut un peu chier comme ça, n'hésitez pas surtout, vous prenez vos spells. Action. Ah, parce que là vous voyez c'est un peu relou, ça fait ça, voilà. Donc là il est vite fait mis un peu dans les vapes. Et hop, ça rentre tout seul. Donc vous faites ça. Là, moi, le sac, bah, il y Je a, vais y comme je l'ai réfléchir dit, il y a sans toi. 30 places. Alors, je vais pas le compléter avec vous en vidéo. Hein. Je l'ai un peu complété au préalable, Rébellion. exprès, hein, parce que bon, pas abuser quand même. Hop. Action. Ouais, je vous conseille de quand même de les foutre un peu dans le coltard. Ça sera bien, 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 bien plus simple. Alors surtout là, ça va. Là, c'est des petites créatures assez rapides à choper. Rébellion. Il y a certaines créatures, genre par exemple les licornes. Les licornes, les foutre dans le coltard, c'est quasiment obligatoire parce que sinon vous allez passer votre temps à courir après. Et franchement, c'est très chiant. Vous voyez, là, on n'est pas obligé de les assommer. C'est vraiment s'ils courent à droite à gauche, quoi. Voilà, votre inventaire est plein. Donc ça, c'est nickel. Alors pour l'instant, alors je sais pas si parmi vous, il y en a qui vont savoir, là, qui vont avoir la réponse. Mais pour l'instant, je crois qu'il n'y a que un Shinies par race. Donc c'est un peu chiant si on veut faire des couples. Mais bon, bref. Donc une fois que vous avez votre inventaire plein, donc remplissez-le. Hein, ça sert à rien de faire des allers-retours pour rien. Vous voyez, donc là je l'ai rempli au préalable, hein, comme je vous ai dit. Donc ici j'ai pas de Shinies, on regarde bien, il n'y a pas de lune. Voilà, hop. Restez jusqu'à la fin si vous voulez, je vous montrerai vite fait à la fin les Shinies à drop. Donc ici on fait quoi? On va aller à Préolard. On va aller à Préolard. On va aller à la vendeuse. Et ça va être votre meilleur pote. Hein. Heureusement qu'elles n'ont pas crédit illimité parce que sinon.
Ça va être votre meilleur ami, hein, celle-là, je vous jure que... Alors, pourquoi se faire de la thune dans Hogwarts Legacy? Bah, déjà, tout simplement, si vous voulez vous acheter tous les... Comment on appelle ça? Tous les patrons, en gros, tous les crafts. Si vous les achetez, toutes les crafts pour mettre dans votre salle sur demande, bah, vous allez en avoir besoin. Il y a certains items, comme moi, je suis équipé, j'en ai acheté 4 sur 6 au magasin. Donc, ça coûte quand même de la thune. Et tout plein de choses. Après, voilà, c'est vraiment plus sur ça. Donc, Entrez, ici, vous allez à entrez. celle-là. Navré pour l'odeur. Je viens de recevoir une Et cargaison de ici, vous fèves d'Europe. bazardez tout. Et donc, vous voyez ce que je vous dis, en fait, les licornes, ça vaut 120. Les petits trucs de merde qu'on vient d'attraper, ça vaut 120. Donc, vous vous emmerdez pas à chercher un peu partout. Et au pire, si, quand vous êtes à un spawn, bah, vous êtes. Il n'y en a plus. Ou vous pouvez aller chercher ailleurs, ou tout simplement vous ouvrez la map, vous faites R3, ce qui va attendre une petite période. Alors éloignez-vous un peu du spawn, histoire que ça puisse respawn. Et puis voilà, enfin tranquille. Ouais. Alors on va dire, il y en a tout. On va dire, allez, ça met quoi? Ça met 10 secondes à attraper, même pas. 10 secondes fois 30 emplacements, 300 secondes. Ouais, allez, pas de gentil, en 10 minutes. Et encore, ouais, 10 minutes c'est beaucoup. En 5 minutes, on va dire 10. Allez, en 10 minutes, du coup, vous faites 3600 gold, donc c'est quand même assez sympa. Bon, ici, elle a plus rien d'intéressant, donc ça, tout ça, on Je s'en fout. serais ravi Mais de voilà, vous 10 voir. minutes, N'hésitez 3600 pas gold. à revenir quand l'envie Je vous en pense prend. quand même que c'est pas trop trop mal, quoi. Clairement, je vais aller vous montrer brièvement le merde, mon jardin. Ma salle sur demande, voilà. Je vais vous montrer brièvement la salle sur demande. Donc, hop, ça vous fait quand même. Alors, je regardais, je faisais le truc à côté pour pas me planter. Ça vous fait quand même 21 600 gold en 1 heure. Ce qui est vraiment pas mal, ce qui vous permet vraiment d'acheter quasiment ce que vous voulez. Donc, ici, alors, pour le premier. Donc il faut que je vais vous montrer un peu juste ce qui est Shinies. Donc vous voyez ici vous avez une petite étoile. Donc le faucifère Shinies il est là, le crapaud violet géant il est là, la jobarbille Shinies elle est là et le veau de lume Shiny il est là. Vous voyez donc essayez bien toujours d'avoir un mâle et une femelle, ça va quand même être sympa. Pensez à les... Merde. À les caresser, vous mettez un mangeoir et après vous les caressez et puis après vous êtes tranquille. Ça vous rapporte des trucs vachement importants pour la suite en fait. C'est... Ça va, encore, ils auraient pu vraiment faire encore plus bâtard et en donner, y donner que un drop par un drop. Là ça va, on en drop 3 ou 5 à chaque fois, donc ça va. Donc ça c'est les premiers. Ensuite... Donc vous allez débloquer la deuxième, j'ai pas la troisième encore, hein, donc je peux pas tout vous montrer non plus. Ensuite on a la deuxième, le jeu est magnifique. Je suis pas du tout fan Harry Potter, enfin pas plus que ça, j'ai vu les films une fois ou deux, mais sinon. Donc voilà, ici donc on a les licornes et tout et tout. Donc on a le Nifleur Shinies qui est ici, le Boursouf Shinies qui est là, la licorne Shinies qui est là. Et voilà, c'est tout parce que j'ai pas l'aile céleste Shinies. Donc vous voyez, c'est très important, surtout sur les animaux un peu rares comme ceux-là, de toujours bien les drop, bien les nourrir, bien les brosser, parce que comme ça va vous donner v'là les ressources. Et franchement, voilà, vous voyez, là, ça en donne 3, même sur aile céleste, qui est un peu plus... Enfin, qui est plus rare. Là, ça nous donne des plumes, vous voyez, ça nous en donne 3 quand même. Donc c'est quand même important. Là, vous voyez, la licorne Shinies, alors, elle est dorée, elle est magnifique. Et vous voyez, même là, des crins de licorne, ça nous en donne quand même 3. Donc c'est quand même intéressant. Voilà. Donc tout ça, en plus en ayant de la thune. Donc 21 000 en 1 heure, c'est quand même pas négligeable. Hein. Et encore, c'est vraiment en y allant tranquille. 21 000 en 1 heure. Voilà. J'espère en tout cas vraiment que ça vous aura plu cette vidéo. C'est pour le moment la meilleure astuce que j'ai trouvée. Si vous en connaissez d'autres, mettez-le en commentaire, n'hésitez pas à remercier, ça fait toujours plaisir un petit commentaire, je les lis tous, hein, je réponds à tous. Donc voilà. Salut tout le monde, bye!